Depuis sa fabuleuse prestation dans La Môme, Marion Cotillard ne ferait plus l'unanimité auprès du public. Après sa mort moquée dans Batman The Dark Knight Rises, la jeune femme est de nouveau critiquée pour ses rôles dans Alien et Assassin's Creed. Il se pourrait même qu'elle soit favorite pour deux catégories des Razzie Awards. Alors qu'elle enchaîne la promotion de son nouveau film Rock'n'Roll avec son cher et tendre Guillaume Canet, l'actrice qui a reçu en 2008 un Oscar pourrait recevoir deux Razzie Awards au cours des Golden Raspberry Awards. La cérémonie qui récompense les pires performances de l'année trouve que ses rôles d'espionne dans Alien et de docteur dans Assassin's Creed faisaient peine à voir. Rassurons-nous, Marion Cotillard n'est pas une mauvaise actrice. Si la jeune femme déçoit les Américains, elle ferait sensation dans deux films français cette année, Juste la fin du monde de Xavier Dolan et Mal de pierre de Nicole Garcia.